L'histoire tourne autour de Dagon, un homme qui est emprisonné pendant 11 ans pour un crime qu'il n'a pas commis, le meurtre du père de son ex-petite amie, Beryl, mais cela change lorsqu'une belle jeune avocate nommée Selvi l'aide à sortir de prison en prouvant son innocence. Pour Dagon, il ne sera pas facile de continuer sa vie et ceux qui l'ont incriminé dans le passé ne le laisseront pas tranquille non plus, d'autant que Selvi a aussi un lien avec son passé. Dagon fera tout son possible pour trouver le vrai coupable et sera partagé sans cesse entre Beryl, son ex et Selvi. Les obstacles sur sa route ne manqueront pas. Je viens voir le prisonnier Dagon Sousour. Je suis avocate. C'est notre premier entretien. Est-ce que tu reconnais le tireur? C'est lequel? J'aimerais rouvrir l'enquête qui vous a fait condamner il y a 11 ans, si toutefois vous êtes d'accord. Cette maison est gigantesque! Si tu te maries avec lui, tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Vous avez été victime d'une grande injustice, mais la vérité finit toujours par éclater. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé Dagon, mais il a raccroché. J'ai vraiment tué cet homme. Le dossier va être réouvert. Ils ont de nouvelles preuves, monsieur Albert. Quand le meurtre a eu lieu, mon client ne pouvait pas être sur les lieux du crime. Puis il a été reconnu innocent grâce aux preuves qui ont été trouvées après toutes ces années. Premièrement, j'irai à la recherche de ce fameux témoin qui m'a fait enfermer. Et c'est vous qui allez m'aider. C'est maintenant que ça commence. C'est une telenovela avec Engin Akurek qui interprète le rôle de Dagon Sousour, Farihi Efsen qui interprète Selvi Nardan et Vildan Saner, Sar Plevandolu qui interprète Ender Yoranel, Tansu Biche qui interprète Yilmaz Saner, Ferdi Sankar qui joue le rôle de Farih Beyzal et Serpil Gül qui joue Sabiha Sousour.